On est à quelques minutes du départ du 24 heures à Tremblant ici. Vous voyez là les compétiteurs qui sont massés juste là sur la ligne de départ. Salut bien, toi tu représentes quelle équipe? Flying Zebras! Ah, les Zebras! Ben oui, les Flying Zebras, c'est vu tantôt. Qu'est-ce qui fait que c'est toi qui s'est ramassé sur la ligne de départ pour avancer le 24 heures? Écoute, je suis quand même assez en forme, mais la plus des filles, là, puis je suis dedans, là, je suis dedans pour courir, puis let's go! Tu as la bonne position, en tout cas, pour gagner. Salut. Ton nom, c'est? Francis. Et tu représentes quelle équipe, Francis? Carl Steve. L'équipe de Carl. L'équipe de Carl, OK. Et pourquoi c'est toi qui te retrouves là, ici, de la ligne de départ, pour représenter ton équipe? Ben, je pense que c'est moi qui cours le plus vite de toute la gang des enfants. C'est quoi le plus vite de la gang? OK, ben bon départ, chers amis. T'as combien de temps, là, maintenant, là, du départ du 24 heures? 6 minutes, quelques secondes. 6 minutes, quelques secondes du départ, mesdames et messieurs. C'est 6 minutes du départ et ce qu'il faut comprendre, c'est que le départ est lancé. Là, vous avez vu les compétiteurs qui sont sous la ligne de départ qui vont devoir courir d'abord jusqu'en haut là-bas sur la côte Saint-Bernard pour après ça monter dans la première gondole qui va les amener au sommet de la montagne. Ils vont ensuite redescendre, ce qui fait que les compétiteurs qui sont là, ce sont les plus féroces. Comment tu sens cette fébrilité-là, cette nervosité-là, une minute avant le départ? Regardez, les gars sont fébriles au bout, sont en feu! C'est l'enfer! Moi, je fais pas ça, on joue du coude puis on essaie de courir le plus vite possible avec des skis, tu sais, c'est fou! Alain Cyr, combien de temps avant le départ, s'il vous plaît? 10 secondes. On est à 10 secondes maintenant avant le départ de la 7e édition du 24 heures de Tremblant. Partez! Voilà, un 24 heures de ski qui vient de s'amorcer avec des premiers coureurs en première ligne qui sont déjà rendus à l'heure où on se parle dans le milieu. Il y a tous les genres de compétiteurs aux 24 heures de Tremblant. Il y en a qui sont plus compétitifs. On les voyait sur la ligne de départ, ils étaient devant. D'autres décident comme ça là, d'y aller de façon plus bon enfant, de façon participative et montent lentement comme ça gaiement la pente pour ensuite monter la gondole et faire une première descente.